Là. Mon jeu, il est en train de se lancer là. Alors, rejoindre le monde. Ah, Michou. Oh, il pleut. Rejoindre le monde. J'arrive, je vais boire direct. Bah, tu sais quoi? Ils sont vides. Ils sont vides. Les deux sont vides. T'aurais pas fait exprès de les vider avant de partir par hasard? Ah, je crois que si. Lors de la dernière session, j'avais fait exprès de vider les deux. Ça se pourrait. Salaud! Ah, tu sais par quoi tu dois commencer? Bah ouais, je l'ai rempli, hein. Panard. ouais, du coup, je voulais monter. Alors. Merde. Attends, hop. Voilà, je crois que c'est par là qu'on doit aller. Enfin, la batterie, elle est presque vide. Oui, il y a un petit bug avec la bouteille. On va la mettre là. Il est où mon coffre à poissons? Mais c'est là-haut. Après, je sais plus comment j'avais commencé à organiser ça, mais. Ouais, mais c'est il là-haut. Faut, il me faut. Ouais. 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 Il n'y a pas de. Ouais, ouais. Oh, c'est bon, hein. Ça va. Coffre à poissons. Bah, il est là, là. On a des grosses caisses. Oui, non, mais je parle à poissons spéciaux, en fait. Ah, celui-là, j'avais pas touché, je crois. Bah si, tu l'as déplacé, parce que de base, tu sais, il était à côté des plantations en bas. J'avais mis au bord du radeau, pour pouvoir les mettre directement quand je les pêchais. Les poissons spéciaux, ben... Mais, ouais, Graines de bouleau, graines de palu, non, c'est pas ça. Et tiens, d'ailleurs, les graines, elles sont ouf. Elles sont là, comme ça, je peux mettre... Des... Graines de palmier... Hop là. Ouais, bah, ça, je vide un peu mon inventaire. Tac, 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 tac. Ça, je vais refaire un peu de pêche spéciale pour gagner bah, des points de répute. Et des jetons. Le temps qu'on arrive bah, là-bas. Fallait faire un stock de bois pour les moteurs et ouais. Que je commence à faire l'espace plantation et bestiole. Ouais, mais va aussi falloir qu'on fasse stock pour pouvoir protéger les moteurs aussi. Pourquoi je les ai pas protégés, les moteurs? Mais ils sont déjà posés, les moteurs. Puis on les a pas encore fait. Si. Mais bien sûr que si. Les moteurs, ils sont posés, et ils sont posés sur des fondations renforcées. Ah oui, c'est vrai que tu les as mis au fond, c'est vrai. Non, c'est que moi j'ai l'habitude. En fait, si tu veux, quand je joue avec Shin et Jean, eux ils les mettent sur les côtés, ils les mettent pas au fond comme ça. C'est pour ça. Mais ils sont au fond sur les côtés. Oui, non, mais. Moi je te parlais des côtés, côtés. Bah, ils sont sur les côtés. Non, mais les côtés, côtés. Ouais, mais. Ils sont pas les côtés du fond. Ah, écoute, s'il faut, je t'en rajoute deux autres sur les côtés, et puis voilà. Mais ça sert à rien qu'on ait quatre moteurs. Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Ça sert à rien qu'on ait quatre moteurs. Non. Ami, il faut que je fasse plein de pêche. Faut qu'on ait plein de nourriture. Faut qu'on ait plein de nourriture. Ah ouais, mais là, je suis en train de pêcher avec les appâts, là, donc... Ah bah bravo, belle mentalité. À quoi, belle mentalité On pense pas à nourrir les amis, bravo. Oh, et tout de suite... Non, mais je vais enlever les appâts, je vais pêcher du poisson, c'est pas grave. On note la terre, ça c'est bien. Oui, j'ai ramené plein de terre, bah, à chaque fois qu'on fait une expé, sauf que j'ai cassé ma pelle. Ah, c'est dommage ça. Oui, faudrait en recrafter une pour la prochaine île, d'ailleurs. J'ai faim. Le poulet. Comment c'est faux? Marqué, moi aussi j'ai faim. Je vais prendre le macro. On a vraiment. Oh putain, un peu tout casse-pied là.
Oui. De quoi? Le coffre en bas là, il y en a du poisson cuit dedans. Bah oui, mais je viens de prendre du poulet ici, dans celui-là. On est vraiment mal organisé. Oh putain, là il y a de la viande qui est pas cuite. C'est toi qui es mal organisé, hein, qui sait pas ranger. Hein. Moi, quand je fais des trucs, là, tout est bien rangé. Quand tu fais des trucs, tout est bien rangé. Hein. Et au final, la cuisine, c'est ton espace. Hein. Commence pas. Ne commence pas, je vais me fâcher. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu craftes une autre gourde? Même deux. Des gourdes bouteilles Ouais, des ou... gourdes bouteilles, ouais, parce qu'il y en a une, il faudrait qu'on la mette dans la table pour étudier. Et l'autre, il faudrait qu'on puisse s'en servir en fait pour remplir les récupérateurs d'eau. D'accord. Enfin, les purificateurs d'eau. Alors, Si c'est bouteille possible, bien évidemment. fabriquée, j'en ai déjà fait une. Ouais. Faut que je fasse fondre Des de algues. l'algue. Il faudrait qu'on refasse une tournée en fait vraiment d'algues. Bienvenue N1. N134. Merci du jour. Ça va, on en a 60 d'algues. On n'est pas non plus à la ramasse. Ok. Ah, il y a un radeau en face. Faut tourner la voile. Bon, j'y vais. Vas-y. On va aller chercher le radeau. On a une batterie d'avance ou pas? Je crois en avoir vu une. Ouais, Attends. on en a une Ça dans va le pas là. coffre à côté de l'établi. Tu vas aller au radeau, c'est ça? Ouais, je vais aller au radeau en face et je viens de me rendre compte que, tu vois, j'avais tourné la voile pour aller aux coordonnées et en fait, on l'a. Ben. Comment te dire qu'on est passé de 1800 mètres à 2230? Oh, c'est que je C'est pas bruis. grave. Mais c'est pas grave, si, c'est grave. Ah, par contre, il y aura un truc à tester. Apparemment, les têtes des bestioles, on peut les mettre dans le truc à déchets. Ah ouais, parce Apparemment. que ça d'habitude on les jette. C'est ça. J'ai regardé un stream ce matin et j'ai vu que le streamer il faisait ça. Donc apparemment, c'est possible. Tu m'as dit à côté de l'établi. Oui, il y a une batterie neuve. Bah, on la prendra quand elle sera vide en fait. Tiens, En je vrai. te mets Les les bouteilles? bouteilles dedans. Ok. Bah attends, il y en a une qu'il faut étudier, c'est ça? Ouais, il y en a une qu'il faut étudier et l'autre, bah, je vais la remplir d'eau de mer et je vais la déposer en haut. Voilà. Hop, c'est bon. Hop, comme ça on aura une bouteille déjà remplie d'eau de mer. Faut que je me refasse une lance. Oui, il faut que je me refasse une lance. Putain. Coutou. Alors, 6 planches, 2 cordes, 2 lingots de métal et un boulon. Feuille. 6. C'est fait. Et les planches. Ah, t'es déjà dedans. J'attends. Merci. J'étais en train de un petit peu stocker ce que j'ai Ah mais c'est ramassé. bon. Hein, c'est que bah moi il fallait que je me recrafte une. J'ai vu qu'on a encore pas mal de minerais. De métal aussi. Ouais. Et ça se demandait si on va pas se refaire des fours. Hein. Franchement. Non, 4 ça va. Pour T'es ce sûr? que à chaque fois on a la dépense, oui, si on les fait bien tourner à chaque fois. Ouais. Ça suffit, on est large normalement. Eh, il y a plein de tonneaux qui arrivent. Oui, bah tant mieux, ils vont finir dans les filets. Hop, tac, tac. Bon, mais j'ai pêché du poisson normal, hein, du coup. Et on arrive droit sur une île. Ah bah tant mieux, on va pouvoir aller faire encore un petit peu de ressources. Par contre, ressources qu'il va falloir vraiment absolument qu'on se fasse. C'est de la poudre explosive pour essayer de préparer pour les animaux aussi. Ouais, parce que ça, on n'en a qu'une pour le moment. Donc ça reste risqué quoi de l'utiliser. Mais comme on galère également quand même à trouver ces putains de Non. poissons. Non. Tu sais quoi la technique? Vas-y.
tu sauvegardes, tu te mets devant la bestiole et tu sauvegardes juste avant. T'essayes, si tu rates, et ben tu as juste à recharger ta partie. Ok. Et tu peux essayer à délimiter du coup. Jusqu'à ce que tu l'as. Bah écoute, ça marche, on fera ça. Mais c'est sur les moyennes et les grandes îles, c'est ça? Non, sur toutes Ouais. les moyennes, je crois. Moyenne et grande que tu peux. Ok. Sur celle-là, je crois que c'est encore une petite, tu n'auras Ouais, pas. ça c'est une petite, tu n'auras pas. Je sais que autour de l'île aux ours, il n'y en a pas des poissons explosifs. Par contre, autour de Caravan Town, il y en a. Yes. Le problème, c'est que Caravan Town, on n'y est pas encore. Et on est bien loin d'y arriver là encore. Hein. Oh oui. Parce que déjà, bon, qu'on finisse l'île aux ours. Allure. Eh ben attends, je crois que j'ai de quoi faire un appât pour Régis. C'est où déjà les appâts? Appât à requin. Oui, je peux même en faire deux. Comme ça, si tu veux plonger, tu me le dis. Oh, mets l'encre, mets l'encre, mets l'encre. Ah, oh, c'est bon. Sinon, on va taper dans l'île. Hein. C'est pas grave. Pas grave. Bah, c'est juste sûr après pour repartir, quoi. Bah, tu veux y aller, du coup? Ouais, je vais y aller. Allez, je lance l'appât. Plonger? Ok. Ouais. Bah oui, c'était la question, en fait. Ah, bah attends, bah je mange avant, alors. Ouais. Parce que Régis, il est pas encore dessus. Ah, c'est bon, il est dessus. Un petit poisson. Ouais, dans le pire des cas, si besoin, j'ai un deuxième. J'ai un deuxième appât, vraiment, si besoin. Hop. Je vais aller faire cuire du poisson. Pire des cas, on le bute, le Régis. Ça nous fera de la bonne viande. Ça ferait de la viande, effectivement, et il faudrait et faire le test, du coup, si, si on peut bel et bien mettre sa tête. Ah oui, non, j'ai pas de flèche, je suis con. Pourquoi j'essaye de lancer Ah bah d'accord, ok. Connerie, j'ai voulu l'attaquer alors qu'il mangeait l'appât, et bah du coup, il s'est barré. Oh. Oui, bah du coup, il est sur mon cul. Ah, pardon. Je vois pas, non, il est où? C'est mon marteau. Et il est là. Touché. Vas-y, Régis, reviens. Allez, hop. Il m'a l'air un peu. Je crois que je l'ai un petit peu énervé. Oui, juste un petit peu, pas grand chose. Ouais, mais ouais, je crois que je l'ai un peu vénère. Crochet, il manque un poulet. Vas-y, viens. Hop. Aïe, il m'a croqué. Un boulon, un boulon. Attends, j'ai perdu Régis là. Ça m'inquiète. Ah, c'est bon. Yellow. Hop, c'est... Oh, j'ai cassé ma lance, vite. Faut que je mette la nouvelle. Régis, tu es là. Viens, on continue à ce fight. Putain, j'ai encore raté le pré-shot. Ah putain, ça fait deux fois. Hein. C'est bon. Il est mort. Il est mouru. Ah, j'ai la tête. Vas-y, je vais direct essayer. Voir si ça marche. Non, du coup, ça fait que t'as gratté deux viandes. Oui. C'est méchant. Ah non, la tête, elle passe pas. Ou alors, c'est peut-être dans le truc pour faire du carburant. On peut mettre les têtes d'animaux. Ah bah voilà, ça stream stalk et ça sait pas le bien faire, voilà. Ah oh, c'est bon ça. Du coup, cube de déchets, on va le mettre là. Je vais remettre. Eh mais du coup, t'as la viande de requin du coup, toi. Oui. Bah, si t'as du bois sur toi, faudra réalimenter aussi. J'en ai posé plein dans le coffre du bois. Dans le coffre à bois. Je sais, mais j'en avais pas sur moi pour réalimenter. Et là, je suis partie sur l'île pour récolter du bouet. Ok, d'accord. Ah,
On peut pas le couper celui-là. Ah non, c'est pas un vrai arbre, c'est juste un tronc. Allez. Non mais c'est pas possible, j'ai tous mes outils qui vont lâcher, c'est incroyable. Ah. Je casse tout. Bah, j'imagine que sur cette île de merde, il n'y a rien tout en haut. Hein. Bah ouais, sinon ça serait trop de... ça serait trop facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite grotte quand même sur l'île, non? Voir, c'est juste un renfoncement. Je suis dedans, là, la petite grotte sous la flotte. Ah, merde, faut que je bouée. Du coup... Faut que je me vide. Allez, on va continuer à pêcher. S'il faut du poisson. J'ai chopé deux saumons. Ah, ça va nous mettre bien. Ça va nous mettre bien, ouais. Par contre, ça va être hyper long à cuire. Mais. Non. Bah, si, c'est chiant parce que du coup, on peut rien mettre d'autre à cuire tant que ça l'est, quoi. Ouais, mais le truc, ça te donne 3 stacks de bouffe. C'est plus que worse. Oui, bah, bien sûr. C'est comme la pastèque avec la flotte. Hein. C'est bonheur. Hein. Tu m'en fais une belle de pastèque. C'est toi la pastèque. J'aime pas ça en plus. J'arrive pas à comprendre les gens qui sont à fond pastèque en fait. Ah merde, je suis full inventaire. Ah, ça, c'est fort dommage. Bon, bah, du coup, on va mettre la chaussure ici. Ouais, non, la batterie, elle est bonne encore. Voilà. Je peux mettre des noix de coco? Non, je peux pas mettre des noix de coco. Je vais la manger. Et du coup, la centrifugeuse, on l'a toujours pas faite non plus. Non, faut que je la fasse pour continuer à t'équiper. Attends, je la trouve même pas, la centrifugeuse. Ah si, équipement de cuisine. Ah ouais, on a même pas fait non plus la marmite. Chaque chose en son temps. Hein. Ouais, non, mais je sais bien, mais c'est dire à quel point on prend notre temps en fait. Mais un truc de ouf. Ça sert à rien de rusher le jeu, faut l'apprécier. On va manger un petit peu là parce que. Voilà. Hein. Alors c'est castagnole et orange, je crois, pour faire les appâts. Ceux-là, faut pas que je les mette à cuire. Ouais, c'est ça. Ah, et je veux un poisson chat aussi. On va refaire encore un coup de pêche. T'as fini là pour l'île. On peut repartir. Bah ouais. Hein. Ah, Régis est de retour. Puis le moment où on décide de repartir, Régis y revient. Du coup, d'avoir étudié la bouteille, ça nous a débloqué les bouteilles d'oxygène et les jumelles, c'est ça? Ouais. Oui. Oh putain. 4 gros poissons. Hein. 2 saumons et 2 poissons-chats. On va se mettre bien.
Ok, alors ça c'est cuit. Mais je vais faire cuire ça d'abord. Donc j'en ai trois. J'ai vraiment trop de poissons sur moi, c'est un truc de fou. Oh, pète au casque. Je vais te défoncer. Je vois pas de quoi tu parles. T'as encore vidé un purificateur d'eau. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Arrête. Arrête, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. En fait, j'avais pas remarqué, mais en vrai, tu peux activer le tirali à chaque fois que je relance la game. Oui. J'avais pas remarqué, moi. Ah, il faut de la corde, de la ferraille, un boulon. Il faut que je me refasse une hache. Et bientôt, il faut que je me refasse une canne à pêche. Ah là, du stock de poissons crus, je suis en train d'en faire. Il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, après, il va falloir le faire cuire. Du poiscaille quand même. Mais non, mais putain! Ah mais je me trompe de bouteille aussi, putain, mais Amy, t'es con, j'en peux plus. Ah bah t'es pas aidé hein. En fait, j'ai pris la bouteille d'eau de mer pour pouvoir remplir dans un purificateur d'eau, parce que je l'ai vidé, donc je le remplis. Et en fait, au lieu de prendre bah, la bouteille d'eau pour avec l'eau de mer pour mettre dans le purificateur d'eau, j'ai essayé de mettre l'eau fraîche, tu vois? L'eau purifiée. Et du coup, je fais putain, pourquoi ça fonctionne pas? Et je clique et en fait, j'ai plus de l'eau de mer. Voilà. Allez, je reprends la pêche spéciale. Faut peut-être vérifier vers où on va d'ailleurs.
Si on est censé se diriger vers l'île aux ours. Oui, mais l'île aux ours, faut y aller avec les moteurs. Si on n'a pas de stock de bois pour faire tourner les moteurs, on n'y arrivera jamais. C'est pas faux. Et là, dans le stock de bois, on a 3 stacks complets. Ça risque de faire un peu léger. Ouais. Bonsoir Chromicro. Oui, le bateau, il est en construction. Ah, il est droit devant. Avec des arbres. Il y a des caisses aussi. Ah, attends, je peux couper le bois qu'on a planté. Ah, du coup, toi, tout le bois que tu ramasses ou récoltes, tu le mets en stock dans le compartiment à bois pour quand on va aller sur l'île aux ours. Et moi, le bois que je ramasse, c'est pour commencer à préparer Ah, t'as mis un coffre à côté des moteurs, c'est ça? Non, non. Non? Bah, Bah viens toi. le coffre de bois. Oui, bah comme d'hab. Ouais. Mais Oui, en comme fait, ça, ça changeait. oui, non, mais comme ça, toi, ce que tu ramasses et tout, tu mets dedans. Comme ça, on s'en servira pour les moteurs pour l'île aux ours. Et moi, je m'en sers pas. Et le bois que moi, je ramasse et tout, ben, je continue à construire avec. Ok. Alors, elles sont où déjà les graines? Elles sont là. Je fais une autre coco. Voilà, on fait une autre coco. Ouais, on avait dit que c'était pas rentable de faire plus de plantations, c'est ça? Non, c'est clairement pas rentable. Des plantations de quoi? D'arbres. D'en faire plus, on en avait parlé la dernière fois, il me semble, justement, on s'était dit que c'était pas rentable. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment au début quand t'es full en train de build que t'as beaucoup besoin. Une fois que c'est build, après Ouais, bah ouais. Parce que tu vois, t'as moi plus j'aurais bien de. vu 4, mais bon. Bah après, je vais pouvoir en rajouter peut-être deux une fois que bah, j'aurai agrandi et préparé pour justement tout ce qui est plantation et animaux. Ouais, bah ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le moment, il faut que j'agrandisse. J'ai un appât. J'ai posé l'ancre. Ouais. Bah tu me dis dès que je le lance. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Allez hop, il est lancé. C'est bon. On va attendre que Régis il aille dessus, hein. Il y est. Tu peux sauter. Hop, c'est parti, on va y couper du bouet. Putain, je l'aime vraiment pas ce nouveau HUD hein, d'oxygène. Putain, je me suis cassé la gueule, j'arrive plus à remonter. Putain! Il n'y a pas d'arbre là. On est un peu plus loin. Des pastèques. Il y a une caisse. Oh! Charnière, corde, plante, enfin substance visqueuse. Sympa le coffre. Je suppose que tu veux. Myrte, j'ai plus de place pour les planches. Non. Mais on va. Ils sont pas sur les planches là. Ok. Mais j'ai plus de hache là? J'ai cassé ma hache? Non, c'est bon.
crois que j'ai tout cassé là. Vas-y, c'est quoi les paquets qui sont tombés? Betterave et pierre. De quoi? J'ai déjà Régis au cul. Ah bah ouais, mais c'est ça qui est chiant, c'est que les appâts ça dure pas longtemps. Oui. Waouh. C'est bon, je suis revenu. Non. Non, pas ça. C'est bon. Par contre, ma pagaie, elle va se péter. Ils sont encore trop petits pour être coupés. Bon, j'ai des mangues. Les pastèques, les pastèques, les pastèques, pastèques. Substance visqueuse, ça se met où? C'est ok. Merde, j'aurais peut-être dû mettre la pas avant de lancer la canne à pêche. J'ai pas regardé ce que j'avais. Oh, coucou mon chat. Ça va? Tu viens sur maman? Eh, viens. Viens mon chat. Viens. Ouais, c'est bon, c'est les appâts que j'ai dessus. Voilà. Bon, où est mon chat? Oh, je vois des caisses au loin. Oh, le chat. Tu montes pas sur mon bureau, hein? Adenia. Sur maman. Eh bien. Si elle passe dans le bateau là, la caisse. C'est sérieux, tu t'en vas là? T'es relou. Putain, elle monte pour redescendre quoi. Et on n'a pas encore recroisé deal avec le shop. Hein. C'est moi qu'on a payé. Encore 5 appâts, putain. Ouais, on va s'en faire des jetons. Enfin, je vais m'en faire des jetons et de la répute là. Avec ce qu'il y a. Il y a un saumon qui est cuit. Oh putain, merde, mon casque. L'architecte pète au casque en pleine action. Oui. Et du coup, t'as testé les trucs horizontaux là? Oui, c'est ce que je... Et du coup, je suis en train d'essayer de faire. Ok. D'accord. Mais c'est chiant à placer. C'est chiant. Oh là là, on va avoir un beau bateau.
ils sont pas encore assez grands. Hein. Oh merde! Et si je mets pas de bois, ça risque pas de cuire. Ça c'est chiant par contre. Merde. Ah. Putain, le bois, c'est vraiment la vie dans ce jeu. Là, je pouvais attendre ultra longtemps que le poisson il cuise. Hein. Il me faut des cordes. Il me faut des cordes. Voilà. Ça au moins j'en ai d'avance. Et le bateau, il va être beau. Il va être magnifique. Qu'il y a des moments, j'ai l'impression que c'est Régis qui est en train de casser le bateau quand tu fais tes travaux là. Oui, j'enlève les trucs là qui servent à rien, histoire de regagner un petit peu de place là. Je vais les pop-corn, ça nous fera gagner de la place. C'est des trucs qu'on s'en servira plus. De quoi? Des trucs là qu'on avait, les petits coffres, les Ah, les petits petits en plastique, purificateurs ouais. d'eau, ça j'ai jeté, on s'en servira plus, Ah ça nous oui, prend là, de la place non, pour rien. on peut en aller. Uyut, vous saisissez sûr, hein. Ah, une île qui a l'air d'être peut-être assez balèze. J'aurais peut-être moyen de réussir à choper des poissons explosifs sur celle-là, pas sûr. Mais ouais. Ah, je crois que c'est une île désertique. Il y a moyen qu'il y ait des cochons là-bas. Et De toute des façon, abeilles. normalement. Peut-être. Bon, on va bien voir. De toute façon, on va s'arrêter. On va aller là. Surtout que de toute Je vais façon. prendre les cubes de déchets parce que j'ai l'impression qu'il y a un shop. Ça m'évitera de faire l'aller-retour au bateau. Les jetons, j'ai l'aise de toute façon pour l'instant, ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup. Pas que ça vaut pas le coup, mais c'est que des jetons, on n'en a pas suffisamment. Je vais prendre les poissons aussi. Pour les revendre. Ouais, y a un shop. Que j'étais en train de dire, mais j'étais mute comme un con. Ah bah ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. Et ça, c'est à force de jouer avec toi, j'en perds mon skill. Voilà, bravo. Mytho, mytho. C'est juste toi qui es nul, c'est tout. Non mais oh. Attends, t'es en train de dire que c'est de ma faute. Non mais.
Bah oui, il faut bien une fautive. Mais c'est toi le fautif. Je vais pas m'accuser tout seul, non Bah bien mais. sûr que si. Bah bien sûr que non. Et pourquoi? Bah pourquoi pas? Mais parce que? Oh là 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 là. Non mais. Allez, posons l'ancre. C'est fait. Elle me fait délirer ma fille quand elle regarde Vivo. Hegel après le singe. Putain, j'arrive pas à choper cette putain d'abeille. Yes, j'en ai eu. Et maintenant, les deuxièmes. Allez. C'est incroyable ça. Elles sont passées où? Elles sont là. Là, je les ai eues. Et maintenant, on récupère le rayon de miel. Ah putain, les abeilles m'ont attaqué. Vilaine. Non mais si abeille, il y a rayon de miel. Mais j'en ai pas vu. Ah si, là, d'accord, ok. Voilà. On va pouvoir faire une deuxième ruche. Revenez! Voilà. À revendre. Oh non, je suis full. Mais je vais manger les poissons. Attends, il en manque un là. J'en avais trois des crevettes. Non, j'en avais que deux. Je sais plus. Alors, vendre. L'armoire permet de changer la couleur de vos vêtements. Boussole indique plus ou moins le nord. Ben, je vais reprendre des appâts. Voilà. Il nous reste 3 cubes. De toute façon, ça sert à rien. Hein. Et du coup, je vais aller couper du bois. Non, celui-là, on peut pas le couper. Là non plus. Ah, j'aurais pas de poisson explosif sur cette île-là. Île déserte comme ça, il y a pratiquement rien en plongée. Bah, viens sur l'île, il y a... Il y a une caisse quelque part, je crois. Sur les îles comme ça, il y a toujours une caisse. Et là, je suis presque full vu que je suis en train de casser des arbres. Enfin, j'ai chassé les abeilles et tout. Mais par contre, ouais. Des branches là! Putain, tu m'as fait peur! Mais oui! T'es con, t'as me fait peur au chat.
Mange les lamas. On n'en a pas encore des lamas. Oh, un dindon. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'a pas encore... on n'arrive pas à choper des îles avec des poissons explosifs. C'est trop chiant. Donc résultat, bah, on galère pour choper les animaux, puisque... bah... Oh putain. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, le nounours. Non mais tu te calmes. Yes, il est mort. Ah, je suis champion en tuage de poisson globe. Mais nous, c'est pas le problème qu'on n'arrive pas à les tuer, c'est qu'on n'en trouve pas du tout. Oh, Petoka, j'ai besoin de toi. Je suis pas morte. Déjà. Mais merde. Putain, je suis mute depuis tout à l'heure. Ah, il y a de grandes chances. Je me disais, oh putain, oh, je suis salement tranquille. Si, va te faire foutre. Non, je suis en train de te dire, faut que tu viennes sur l'île en fait. Parce que je suis full, il y a un ours à finir de récolter. Il doit y avoir une caisse quelque part. Alors, je viens de mettre le pied sur l'île, t'es vers où? Et du coup, bah là, j'ai Chromicro là sur mon chat qui me dit qu'il est champion en tuage de poissons globes. Et je lui ai dit, nous, mais c'est pas le problème qu'on n'arrive pas à les tuer, c'est qu'on n'en trouve pas. Si, enfin, c'est on n'a pas encore été sur les bonnes îles, où est-ce qu'il y en a? Bah, c'est qu'on tombe pas sur les bonnes îles, ouais. C'est ça le problème. Putain, j'ai oublié de mettre. Je suis à côté du. J'ai oublié de faire un truc. Du shop, bah t'es où toi? Alors, si. Toi, t'es à côté du shop. Où suis-je? Ah, je te vois. Tu me vois sauter là? Derrière toi. Attends, je prends un peu plus de hauteur. Là, voilà. Okay. Voilà, là, il y a l'ours à finir de looter. Hop. Je peux le couper, celui-là? Non. Récupérer, j'ai encore... Et à l'endroit où il y a l'antenne, normalement, il y a un... Oh, il y a une grotte. On n'a pas de pelle, putain, j'ai oublié d'en refaire une. À l'endroit où il y a l'antenne, normalement, il y a un... Il y a une caisse. Elle est où, l'antenne? Elle est en haut? Ouais, elle est vers... Attends. Quand on monte, elle est un peu plus loin normalement que le shop, je crois. Non, c'est bon, elle est là où je suis en fait. Elle est à côté du shop. Je suis au shop. Tu me vois? Non. Derrière toi? Tu me vois? Je suis en face de toi là. Ah, je vois l'antenne là. Voilà. Eh ben, il y a une caisse. Villa. Bon ben, il n'y a plus d'arbres à couper ici. Hein. Oui, on retourne au bateau, ouais. On se place. C'est cela. Non, parce que là, j'ai un super architecte du nom de Pétocasque qui nous fait le bateau. Duel. Donc là du coup, oh putain, il y a Régis. Non, il a réussi à me croquer avant que je monte. Salaud. Alors en fait, le zéro qu'on voit en haut de ma cam, là, ici, là, ça va être mon compteur de mort sur Raft. Pour l'instant, il est à zéro. Je vais t'emmener sur les bonnes îles, t'inquiète. Non. C'est pas gentil. Alors, le cuir. Où est-ce qu'on met le cuir? Là.
mais dans le à côté de l'établi là pour le Ouais. moment j'ai pas encore un. Attends. Non, moi, il y avait un coffre avec des abeilles qui restaient. Ici là dans celui-là à côté du L'établi aussi? l'établi Ah ouais. ouais. Allez. Hop. Hop. Encore eu le temps de faire les rangements pour ça. Putain, ouais, rayon de miel, on commence à en avoir beaucoup. Sauf que ça sert juste à faire les baumes, je crois. Non? Rayon miel, je crois que ça sert aussi pour le carburant. Si je dis pas de bêtises. C'est pas le miel directement? D'ailleurs, j'ai l'impression que nos abeilles, elles en font pas des masses de miel. C'est normal, c'est ça se fait pas comme ça les ruches. Ah putain, faut mettre des fleurs à côté! Oui. Ah feuillet! Ça veut dire qu'on va récupérer des graines de fleurs. Et le truc c'est quand tu mets des fleurs, t'as les mouettes qui viennent les bouffer, donc faut les enfermer les ruches. Ouais, il faudra faire un genre de Bah, cabanon pour les ruches. faut juste que continue à aménager, à fermer le truc là et puis ce sera bon. Ah, j'ai pas eu de Il faut graines sur celui-là. Est-ce que je vais du en avoir sur bois. celui-là? Ouais, j'en ai eu une. Ce sera toujours cette qui. Ah putain, mais j'ai plus d'eau dans ma grotte. Bonsoir, c'est Crazy Cobre. Bienvenue, merci du follow. Je vais aller me faire un petit café vite fait, je Faire un petit reviens. café, ça marche, je vais te faire ton petit Oui. café. tac, 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 graines de bouleau. Putain, faut que je demande à Pédocas s'il y a une optie ou pas. À propos du bouet. Parce que je suis pas sûre. Pas sûr qu'il y ait une optie au niveau du bois. Quoique, Cro Micro, t'as peut-être la réponse, toi. Si t'es toujours là. Est-ce que suivant les graines d'arbres qu'on met, il y a plus ou moins de bois? Oh, mais il te guide, il n'y a pas de souci. Hein. T'as le droit. Il n'y a aucun souci. Non, c'était juste une question comme ça que je me posais. Savoir s'il y avait une optimisation par rapport au bois diffé au gré au et un. Je vais y arriver là, je vous jure. Promis, j'essaye. Hein. Au niveau des arbres. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à parler. J'avoue que moi je plante au hasard, j'ai un badaud beaucoup trop grand pour être petit. Ok. D'accord. Non, parce que je me dis, vu que maintenant il y a des arbres différents, peut-être qu'il y a une optique au niveau plantation en fait. On ne sait jamais, hein. Ça peut. Là, on a de quoi faire une deuxième ruche du coup. Ouais, c'est 20 planches. Ouais, on va attendre encore, hein. Avant de faire ça. Vu que là, le bois, on en a vraiment, vraiment besoin. J'ai toujours pas arrosé les arbres. Ça risque pas de le faire. Bah du coup je vais attendre le retour de Pétocasque hein, pour lui poser la question. Peut-être qu'il saura du coup. Le saumon, je vais le garder pour plus tard. Ça c'est nos recettes. Putain, pourquoi c'est là ça? Il y a une soupe et là, c'est tous les fruits et les légumes.
le petit cube de déchets. Attends, c'est quoi ça? Substance visqueuse explosive. Attends, ça veut dire que... Ah non, c'est la poudre explosive qu'il nous faut. Attends. Mais la poudre... Petocas, j'ai deux questions. Oui. Est-ce que tu crois que par rapport aux arbres qu'on plante, il y a une opti pour avoir plus de bois? Tu sais, par rapport au type d'arbre que tu vas planter? Je pense pas. Non? Ok. Et on a quatre substances visqueuses explosives. C'est pas ça qu'il faut mettre au fourneau pour avoir la poudre? Attends, ouais, je sors du coffre. Ben si. Parce qu'on en a quatre. Oui. Donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait se faire quatre lance-filets. Oui. Alors ça, c'est pas cool. Ça ne se fait pas, Thomas. Il a fait quoi? Il a claqué le son de Phasmo sur Raft, quoi. Oui. Donc, c'est un bon mais... Oh, vas-y, tais-toi. Il y a un pétocasque, mon fidèle ami. Eh, c'est bon, ça suffit tous les deux, là. Mais tu l'as vidé devant moi, en plus. Non, il était déjà vide. Non, je l'ai rempli. Je l'ai rempli il n'y a même pas 5 minutes. Il était vide. Hop. Non, il n'était pas vide. Tu l'as buté. Non, t'as rien vu du tout, il était pas vide. T'as même pas actualisé mon live. Tu vois comme quoi je suis offline, s'il te plaît, quoi. Petoka, est-ce qu'il y a un poisson chat? Oui. Qui est cuit dans le coffre. Oui, j'ai pris des steaks. T'as pris des steaks? Ok. Moi, je te préviens, hein, parce que j'en ai un déjà sur moi cuit. Donc, on vit là. Putain! Pasto Régis! Je vais me remettre à pêcher un peu, parce que là, je vois que du coup, les poissons, bah, ça commence à descendre. Putain, mais j'ai pêché une vieille chaussure, quoi. Non, ça veut dire que la prochaine île qu'on croise, faut essayer de voir si on peut récupérer des fleurs pour récupérer des graines, quoi. En gros. Oui. Mais là, je sais pas si tu vois, mais on rencontre pas beaucoup d'objets parce qu'on n'est pas dans le sens du vent, donc... Ouais, je vois ça. En fait, on est à contresens, là. Oui. Je vais aller nous remettre dans le sens du vent en temps... Tant pis si ça nous écarte de l'île, mais... Ouais, bah, tant pis, hein. On a besoin de ressources, là. C'est ça. Ils en sont où, les arbres, là? Ouais, non. Je les ai plantés il y a pas longtemps, donc ça risque pas. Ah ouais, mais il y a une île. Et celle-là, on l'a pas faite. Info sûre, parce que sinon, il y aurait plus d'arbres. C'est pas grave. Ouais, ok. Toi qui me dis. Hein. Moi, je vais continuer ma pêche.
Il y a de la houle. Faut que je mange. Faut que je bouée. Les arbres, on peut pas les couper encore pour l'instant. Bien. Voilà. Des petites chaussures à côté des ruches pour planter les graines, ça va être mignon. Ah, île droit devant. T'es sûr, petite? Ah ouais, petite. Petite. Chopé un saumon, j'ai chopé un saumon. J'ai plus de bouée. De bouffe là, c'est pas mal. On va se garder ça. Remplissage d'eau de mer. Je lance là-bas. Là, je suis sur l'île. Ah, t'es déjà sur l'île? Oui. Bah, je lance là-bas. J'aurais pu prévenir quand même, merci. Et t'as rien. Ça fait plaisir. J'ai des mates de qualité. J'ai un mate de qualité. C'est formidable. Encore commencer à se plaindre. Mais tu me préviens pas. Ouais, j'ai des graines de fleurs bleues. Des graines de fleurs noires. Voilà.
bien, ça c'est ok. On va acheter les fleurs parce qu'on s'en fout. Hop, voilà, on jette les fleurs. Bon, j'aime pas les fleurs. Graines, graines. Il n'y a plus d'arbres hein, de ce côté. Bon, ah, Régis, c'est parti! Ah! Aïe! Et moi, je viens de sauter, je me suis cassé une cheville. Où ça fait? Y'a pas de soucis, gros micro. Bah écoute, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Écoute, on va pas s'attarder sur l'île ici. Bah, moi, juste récupérer des graines de fleurs et des planches, du coup. Y'a pas des masses d'arbres, hein. Non, donc, ouais. On va pouvoir repartir. Hop, voilà. On a besoin de beaucoup, beaucoup de bois. Bah, je sais bien. Merci pour la chèvre, ça réveille. Ah, t'es en dessous, putain. Je voulais ton pseudo passer devant ma gueule, je suis putain, il fait quoi là? Ah, la Sainte Tour, ça sera pour quand le serveur RP sera ouvert. Mais je l'ai remis en route parce que je ne mets jamais ma ceinture. Je l'oublie tout le temps. It's Levioso. Ah, Levioso. Stop. Voilà. Ce son me rappelle tellement de souvenirs, le Levioso. Ah mais non, je peux planter. Ah oui, mais non, mais il faut de l'eau, putain. Pourquoi faut tout le temps utiliser de l'eau, pète au casque. Ah, c'est pas grave. Ça nous consomme pas de bois de faire de l'eau. Oui, encore heureux. T'imagines si c'était comme dans DayZ? On devait faire chauffer l'eau et tout pour l'avoir. Ça serait une galère. Mais grave, mais tellement. Du coup, ça y est, on a la poudre. Ouais, on a la poudre. On va pouvoir faire plein de lance-filets. Ça va être bien. Ça c'est déjà cuit. On va mettre E à cuire. Voilà. Du coup j'ai plein de poissons. Bon, ça je vais garder. Ça je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Prochain poisson chat, je le mettrai dans le coffre. Et on va se remettre à pêcher avec les appâts. Histoire de farmer un peu, de se faire un peu de réputation. Putain, le tonneau qui approche, au départ, j'ai cru que c'était une caisse, quoi. S'il vous plaît, quoi, mes yeux, faites quelque chose. Mais attends, je crois que je l'ai pas lancé le logiciel pour le compteur de mort. Faut que je vérifie avec mes touches. Si je fais ça. Non, ça a pas l'air d'en rajouter un. C'est bon.
Donc ouais, le logiciel il est éteint en fait. Faut que je l'allume. T'inquiète pas, mon logiciel interne l'aurait compté. Donc, bah non. Tu m'aurais déjà mis un plus 20, toi. Oui. D'ailleurs, je vais aller voir pour l'allumer maintenant. Alors. Bah pourquoi il ne trouve pas ce que j'ai installé sur mon PC là? Attends. Ah non, c'est dans. Hop. Mettre là pour l'instant. Hop, en attendant qu'il le trouve. Non mais t'es sérieux toi? Vas-y dégage. Crevette luisante. Hop. Hop. Et hop, un poisson chat en train de cuire. Ok, les fleurs ont poussé, mais pour l'instant les abeilles, ça bouge pas. Ah, c'est long la pêche. Qu'est-ce que tu fais devant moi là? Ça t'amuse? Je veux du bois, du bois. Tu veux du bouet? Oui. J'en ai pas. Je vais en couper en haut. Mais j'en ai pas. Oui, mais bon, toi le bois que tu fais que tu coupes et tout, c'est pour faire les stops pour aller à l'île. Mais oui, je sais. Toi, le bois que tu récoltes, c'est pour occuper du bateau. Oui, le bateau. Le bateau. C'est pour le bateau. Pour mon bateau. Ouais.
Voulez-vous? Alors, on pose des graines. Voilà. Moi, je pensais pas que tu l'aurais fait, c'est pour ça. De base, je pensais pas que tu le ferais. Au départ, t'avais dit que tu voulais pot. Par contre, tu vois, je suis quand même vachement déçue des arbres. Parce qu'on récolte autant qu'on dépense pour en faire un, tu vois. Parce qu'on récolte que 5 planches par arbre. Et au final, alors c'est rentable sur la durée, hein. Mais Tu dépenses pas de bois pour en faire des arbres. bah non, mais c'est vrai que enfin, je trouve ça dommage que ça donne pas plus en fait. C'est toujours 5 planches que on se fait pas chier à ramasser comme ça. Ouais, on va dire oui. Oui, de toute façon, t'as pas le choix que de dire au deux. Oui, bah c'est bon, ça va. Oh, j'aime bien, j'aime Yeah. bien. Oh, pas possible ça. De quoi, pas possible? Toujours en train de pleurer les femmes. Toujours. Oh, c'est pas vrai. Oh, Alors je là. plains Thomas. Oh, je plains Thomas qui doit subir ça au quotidien. Oh là 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 Salaud. là. Forever. Faut que je me refasse une canne à pêche. Alors, 3 ferrailles, un boulon et 8 cordes. Let's go. 3 ferrailles. De la corde. Et un boulon. Voilà. J'ai fait ma canne à pêche. Putain, ça serait bien s'il y avait au-dessus de la canne à pêche en métal, qui serait plus costaud. Pourquoi je trouve pas mon putain de logiciel là? Ce PC, disque local, programme. Ok, alors. Le PC. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Ça y est, j'ai retrouvé mon logiciel. Wouh! Je suis trop fort. On aura fallu du temps. Ma fille elle est au taquet, hein. C'est ouf. Hein. Je peux te faire un truc. Merde, faut que j'aille. Ami! Quoi? Non, rien. Oh, mais bâtard! T'oses me faire ça comme ça? Mais t'es chiant? Pourquoi il y a des manières précises de le faire? Normalement, oui. Non. Chiant? Le principal, c'est que ça passe. Non mais c'est pas très Là là. très gentil. Si. Non. Si. Non. J'ai dit si. Mais moi je te dis que non. Toi, tu dis non parce que t'es dégoûté, parce que c'est passé easy. Easy. T'es méchant.
Easy, my friend, easy. Mais il est sérieux? Il vient attaquer à mes pieds alors que je suis en train de pêcher. Foiré. Ah, ils l'ont vu. C'est une petite. Eh ben, j'ai l'impression que c'est pas ce soir que je vais faire ma première mort avec le compteur, hein. Bah, pour ça, il faudrait qu'on aille à l'île des ours, il y aurait peut-être plus Non, 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 de. parce que tu vois, celle-là, je la gère plutôt bien. Non, c'est juste une île avec des osios. Ou des Sauf à. sangliers. Des fois, les sangliers, je galère un peu, quoi. J'ai cassé ma canne à pêche, heureusement que je m'en suis fait une. Là, normalement, avec tous les poissons spéciaux que je pêche avec les appâts, on passe. Niveau 1 de répute. Après, je sais pas si c'est valable pour toi aussi, ou si c'est que pour moi. Je sais pas non plus. Faudrait que tu regardes la prochaine boutique si on en croise une. Il me reste combien d'appâts? 6. J'aime trop le bruit qu'on fait quand on court. Tac, 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 tac. Ça me fait trop rire. Qu'est-ce que t'as? Ouais, bah. Il a encore faim, ce perso de mort. Voilà, j'ai plus d'appât. Donc on va se faire plein de jetons.
Par contre, ce qui est chiant, c'est que pour acheter certains objets, il faut des cubes de déchets et les jetons. C'est des objets OP ou... Bah là en T1, c'est pas des trucs de ouf, mais genre, t'as une boussole qui est censée t'indiquer plus ou moins le nord. Tu as une armoire qui peut juste changer la couleur des fringues de ton perso. Et le troisième item, je sais plus ce que c'est. Et après, bah... Après, on peut acheter des recettes, on peut acheter des ingrédients pour les smoothies et pour la bouffe. Des ingrédients qu'on ne peut pas looter autrement en fait. On est obligé de les acheter au shop. Oh putain, je pêche, je tombe directement sur un poisson chat. C'est bon ça. Ah, peut-être falloir que j'aille couper les arbres aussi. Ils ont peut-être poussé là. Eh, je suis coupé. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de batterie dans dans le recycleur. Ah oui. Ouais, on va en refaire une là. Ah ben. Ah si, c'est bon, je peux couper les arbres. Batterie, batterie. Il faut lingot de cuivre. Fabriquer. Ah, mais j'ai pas eu de. Je n'ai C'est parti. point vu de green. Déjà, on va remettre des planches pour pouvoir cuire le saumon quand même, ça peut être bien. Là, ça nous fait 6 stacks de bois. Oh putain! Régis! Enculé! Là, tu vois, mais j'ai récolté que 6 de bois, donc en fait, c'est vraiment aléatoire le bois que tu récupères sur les arbres. C'est un truc de fou, hein. Faut que j'aille mettre mon téléphone à charge. Putain, faut que je remette les réveils pour demain. Désactiver. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Je reviens, je vais mettre mon téléphone à charger. Okay.
Putain, mais pourquoi on croise que des petites îles, quoi? C'est insupportable. Là, il y a une petite île à gauche, là. C'est chiant. Hein. Ah merde, je suis full. Et c'est reparti pour la pêche. Putain, j'ai mal à la nuque. Faites au cas, tu me crois si je te dis que je vais déjà recasser ma canne à pêche? Oui, ça va vite quand tu fais que de pêcher pour faire du stock. Mais c'est chiant, hein, franchement. Oh, t'imagines une canne à pêche en platine? Ce serait Peut-être par trop bien. là-dessus. Je sais pas du coup si dans la nouvelle magie ils ont rajouté, mais. Ouais, non, mais en vrai, ce serait trop bien. Mettre ça à cuire. Ça va cuire plus vite que. Ah, tu prépares l'enclos pour les animaux? Oui. Oui. Putain, faut que je me refasse une pelle. J'ai pensé. Faut absolument que je me refasse une pelle. Moi j'ai de la barre. En vrai, c'est pas un compteur de mort qu'il aurait fallu que je fasse sur mon stream. C'est un compteur pour toutes les fois où je remplis ce putain de purificateur d'eau. Il aurait pas monté bien vite. Hein. Tu rigoles ou quoi? Tu fais que ça? T'es vraiment un sac. T'es vraiment un putain de sac. Je passe ma vie à les remplir. Wow, il est tout de suite. Oh, bon, les grands mots de chat. Oh putain, pète au casque, qu'est-ce que t'as vu ce qu'il y a devant? Une grandine. Oh oui, let's go. Let's go. Ah oui, non, moi je partais en fait pour me refaire une pelle. Alors,
un boulon, un lingot, 6 planches. Un boulon, un lingot, planche. Pelle. Je vais poser. Non. Je vais poser les appâts ici. Je vais en garder un seul. Pour pouvoir le jeter. Je vais poser les poissons que j'ai pas cuits. Parce que là, à mon avis, il va y avoir de la ressource. Puis lui, de toute façon, il est en train de cuire. Voilà, je garde le strict minimum sur moi. Non, même ça, je vais le poser, je crois. De toute façon, un arc avec une flèche, ça sert strictement à rien. On peut jeter là. Yeehaw ! Hop, c'est sûr. Merde, j'ai oublié de jeter là-bas. J'ai jeté l'encre. Ah non, mais d'accord. Même pas ? Ah ouais, non, le bateau il bouge, hein. Légèrement. Bon. En fait, l'ancre elle est posée, mais le nœud du bateau il est stable dans la caillou, donc c'est pour ça. Ah, attends. J'ai jeté la pas. Et Régis il va dessus, c'est bon. Il est dessus. Du bruit. Non, par contre, je vais jeter notre coco là parce que ça me casse les couilles. C'est quand même une grande île là. Bah, je sais pas, c'est... après c'est peut-être juste une moyenne, mais même une moyenne, c'est bon quoi. Non ? C'est bon, attends. Non, c'est plutôt une petite île, j'ai envie de te répondre. Ouais, y'a pas grand chose. Hein. Ouais. Y'a vraiment pas grand chose. Putain, je suis dégoûté. On va vite se barrer du coup, je pense. Après, il y aura peut-être des poissons explosifs. Hein. Parce qu'on a déjà vu sur des îles comme ça, des poissons. Hein. Je fais le tour, je regarde. Voilà, déjà en arbre, ici, c'est un peu mort. Hein. Vraiment pas grand-chose. Bon, ça, c'est un autre coco que j'ai jeté. Ouais, il y avait un peu d'arbres, quoi. Régis n'est plus... sur l'appât. Je répète, Régis n'est plus sur l'appât. Mais je ne sais pas où il est. Ah, si, je l'ai vu, c'est bon. Régis, viens. Viens, mon petit. Il n'y a pas de... Je pense qu'on va lever l'ancre tout de suite et se barrer. Hein. Ouais, attends, j'essaye de niquer Régis par un peu de viande. Bah, vaudra mieux le faire et le niquer sur la prochaine île quand on voudra plonger. ouais, pas con. Il est mort. Hein. Hop là. Ah, heureusement qu'il y en a qu'un cerveau un peu plus haut. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, non, mais il est à moitié mort, Régis, là. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Bon, 22 planches. Avec les arbres de l'île. Que nous testons pour lui. Toujours ce que tu peux. Tac, 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 tac. Putain, les c'est feuilles. Il va vraiment falloir qu'on s'en mette de côté. Est-ce qu'on commence à en avoir de moins en moins? De quoi, des feuilles? Ouais, des feuilles. J'en ai plein sur moi. J'ai mis des fleurs, mais ça marche toujours pas. Après, faut peut-être pas les mettre dans des chaussures. Ah oui, non. Ça marche pas dans les chaussures. Non, attends, je vais te le faire, le bardel. Vicky. Du coup, je vais ranger ce que j'ai récolté. Je trouvais des clous, aussi. Ces trucs-là. Ah ouais, nos arbres, on peut les couper, c'est bon. Putain, j'aurais dû garder les graines.
C'est bien. Tac, 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 tac. On repose les graines avant de partir. Des clous. Oui, des clous. Enfin, un. Tiens, mais j'ai presque tous mes outils qui sont cassés, quoi. Ça se casse vraiment trop vite. Avant de se remettre à pêcher, on va quand même cuire les poissons. Ça pourrait être pas mal. Merde, putain. En tournant en rond, c'est un truc de fou. Hein. Je vais planter les fleurs. T'as des fleurs de chaque couleur ou... J'en ai des rouges et des noirs. Ah. Pourquoi? Parce que moi, après, je ne sais pas si ça marche que comme ça, mais moi, dans mon bateau, si j'avais fait un truc d'une couleur, un truc d'une autre couleur, un truc d'une autre couleur, un truc d'une autre couleur. Bah écoute, prochaine île, j'essaye d'en choper, hein. Yes. Ça, j'avais des fleurs bleues, mais du coup, elles sont dans les chaussures. Et t'as pas récupéré de graines en les récoltant? Non. Ouais, donc c'est un peu la galère, quoi. Voilà, du poiscaille. On va se garder ça pour les grosses fins. Ah, ça y est, ça fonctionne. Les abeilles sortent. C'est bon. Ouais, au final, c'est que j'avais pas non plus besoin d'en mettre autant. Mais... Mmh. Bon, j'avais fait comme ça parce que... On avait que ça en j'avais fait comme ça. Non, je l'ai sur moi la terre. Ah d'accord. Comme je suis en train de faire le truc là-haut. Ouais, mais justement, je me posais la question, vu que t'en avais posé que 3, je me suis dit, bon, on a peut-être pas suffisamment pour faire plus, quoi. Si, si, c'est juste qu'il manque de ressources pour faire plus. Le bois. D'accord. Ouais, le bois, ouais. Le bouet. Le bois, encore et toujours ce fameux bois. C'est cela. Ah, la vaisselle est terminée.
Ah, il en vue, droit devant. Je crois que c'est une petite encore. Oui. Putain, c'est vraiment le soir de la non-luck, quoi. Hein. C'est impressionnant. Hein. T'es tombé? Thomas, il a glissé. Oh non. Et il est mort. Mais ça te fait rire, hein. Bravo. Mais ça me fait pas rire, j'ai rien dit. Non, non, mais si. T'en penses pas moins. Bravo. J'ai rien dit. Ouais, non, mais on se connaît. On se connaît. N'importe quoi, toi. Non, mais. On dirait que tu vas sur le côté de l'île. Oui, je décale un petit peu le bateau pour éviter qu'on fonce droit dedans. Ok. Moi j'ai de la place dans mon inventaire, donc normalement on devrait pouvoir récupérer pas mal de choses. Pas enfin, sur l'île du moins. Ok, j'ai mis l'encre si tu veux aller la faire vite fait. Ouais. Par contre c'est chiant parce qu'on est aïeux, on n'est pas vraiment du bon côté pour que je puisse monter sur l'île. Ouais, on va encore commencer à se plaindre. Mais j'ai failli me faire croquer le cul. Oh, impossible. Oh. Seulement failli, c'est dommage. Bah, je me suis fait croquer le cul. Une fois. Ah donc en fait quand tu chopes une fleur, c'est une fleur, une graine. Bon, l'enclos à bestiaux, il est fini. Ah, Régis attaque. Régis est mort. Ouais. J'ai de la place, ouais. Il y a des méduses. Il y a un banc de méduses. À ton avis, ça pique ou pas? Je te laisse faire l'expérience. Ouais, clairement, j'essaye pour la science. Non, ça fait rien. Je nage c'est parmi les méduses. Ça ne fait aucun dégât, c'est beau. C'est fort dommage. Oh, mais comment t'es méchant. Non. Si. Non.
Oh, c'est beau. Attends, là j'ai mis des fleurs rouges et des fleurs noires. Donc là j'ai des blanches. Et là j'ai des bleus. Voilà. On a des fleurs de toutes les couleurs. Putain, niveau poisson, on est bien. Enfin, du moins pour l'instant. Faut que je me refasse une canne à pêche. Elles ont fait que du rayon de miel, elles ont pas fait de miel. Ah oui, je crois normalement c'est après faut le transformer le truc. Ou alors c'est rayon de miel qui sert pour faire de biocarburant, je sais plus trop. Miel. Ah oui, il faut du verre et du rayon de miel. Attends, mais. On a toujours pas eu d'œuf, hein. Un truc de fou. C'est normal. Bah, et pourtant on a des nids. Oui, mais c'est pas ça. Ah bon ? C'est faut capturer une poule pour faire. Ah, faut le dindon ? Oui, le dindon. Tu vas en faire un beau dindon. C'est toi le dindon. on en a du verre d'ailleurs ou pas ? Oui. De fondu, pas sûr. Si, si, on en a 12. Donc je peux faire. Cinq miel. Ah non, ça va par deux. Donc 10. Avec tous les rayons de miel qu'on avait. Donc ça, on va le foutre. Ici, les graines là. Là-dessus, on est bon. Il y a plein de tonneaux. Let's go. En face. Aïe, salaud. Mais il est déjà de retour, lui. Oui. Allez, je lève l'ancre. T'es sur le bateau. Hein. Ouais, je suis sur le bateau. Allez, continue. J'aimerais bien recroiser une île avec un shop. Franchement, ça serait cool. Attends, on a combien de cubes de déchets là? 5. Oh, ah, mais c'est que le pète au casque qui m'en a refait, c'est formidable. Ah oui. Là on en a 8. T'as cru que je slack? Non, mais non, mais j'ai pas dit ça. Ah bah bravo, belle mentalité. Oh, c'est bon, ça va. Aucune confiance en cette email. Et bien sûr que si. C'est vrai que j'ai full confiance en toi, déconne pas. Je suis une machine. Voilà. Là c'est fait. Donc faut que je me refasse de tout en fait. Enfin faut que je me refasse de tout. Faut que je me fasse une hache. Faut que je me refasse une lance. Faut que je me refasse une canne à pêche. C'est trop chiant. J'ai l'impression de passer ma vie à ça. Alors ferraille boulon. Aïe. Boulon.
cordes. Non, trompé. Ouais, forcément, pas assez de cordes. J'en ai des cordes. Non, mais t'inquiète, je viens d'en crafter. Et des planches, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. On fabrique une hache. On fabrique une lance. Ah bah non, on fabrique pas de lance. Il faut des lingots pour ça. Je fabrique ça et il me faut une... canne à pêche. Il me manque une corde pour faire une putain de canne à pêche. C'est bon. Une villa. Aïe. Perdu, c'est en haut. Un beau boulon. Ok. Parce que là, en soi, ce qui va être bien, c'est que la prochaine fois qu'on passe au shop, on va pouvoir passer aux appâts T2. Donc, au poisson T2. Voilà, casser la canne à pêche. Ah, t'as viré de bord? Le bateau, il a tourné, non? Oui. Par contre, tu vois, quand Jean va nous rejoindre, tu vas te rendre compte ce que c'est qu'un vrai cuisinier sur raft. Parce que lui, il va nous faire les soupes et tout. Oui, ça, ça va être le top. En plus, vu qu'il y a des smoothies, à mon avis, il va s'en occuper aussi, tu vois. Parce que voilà. J'ai plus d'eau. Mais c'est point grave. T'es sérieux là? De quoi? Tu viens encore de vider le purificateur? J'ai rien fait? Si, je suis passé, il y en avait. Non. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Je dis pas des bêtises. Tu dis des bêtises. Alors, est-ce que tu peux juste aller arroser le dernier carré d'herbe? Parce que j'ai tout arrosé sauf un. Ça, on s'en fout, on a même pas encore mais si spécial. Mais hey, comme ça au moins il y aura de l'herbe quand on aura les animaux. On n'aura pas besoin d'arroser en catastrophe. Enfin, j'en ai déjà un d'animaux avec moi sur le bateau. Là. J'ai une t'as chèvre, déjà un animal une t'as déjà un animal une baleine. Ouais, mais, ça ouais. Elle est multi-animale. Voilà. multi-animale. Il à droite. Ah, mais là, j'ai mis les moteurs en route pour aller direction l'île des... L'île des nounours. Ouais. Ah, on a assez de bois, ça y est. Je sais pas, faut prier.
Faut prier. J'adore. Magnifique. Là, on part en bouée. Je vais couper le bouée qu'on a. Et je vais en replanter. Alors, let's go. J'ai une noix de coco. Ah ouais, mais en vrai, de l'île à côté, il y avait rien, quoi. C'est que des rochers. Mais ça se trouve, il y avait un truc échoué dessus, comme ça nous est arrivé la dernière fois. L'île avec le drapeau, comme ouais. Ça, c'est qu'il y a l'espèce d'épave, là, avec le chapeau du capitaine. Ah, ok. Soit on l'avait déjà, hein. Que c'est ce que j'ai actuellement sur la tête. Putain de Régis, bâtard. Il a cassé. Et du coup, je me demande si sur l'île aux ours, sur un shop ou pas. Ah bah je sais pas. On aura la réponse quand on y sera. C'est ça. Parce que je sais plus si sur le paquebot il y en avait pas, ça c'est sûr. Puisque c'était le paquebot. Arrête de me jeter des cailloux. Fracassé. Ok, ça marche mon chéri. Ah, ici. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il était 23h. Donc ça veut dire qu'on va se stopper. Tout ça. En bouffe, on est pas mal, hein. Ah, du moins un poisson. En place de la femme, ça a la cuisine. Non, non, bientôt ça sera Jean à la cuisine. Oui, mais qui te dit que j'en ai pas d'une femme? Ah, batterie à plat. Ah bah voilà, bravo. Belle mentalité, t'as cassé la batterie. Et je suis arrivée, elle était déjà éteinte, hein, s'il te plaît. Non, quoi. Non, c'est faux. C'est faux. Bon, tu m'as dit les batteries, on les jette, c'est ça? Oui. Voilà. Batterie ici, hop, fabriquer. J'en ai refait une. Ok, on va peut-être s'en faire une ou deux d'avance, tu sais, au cas où. Activer 1350. Oh putain, la batterie en bas elle est à. Ah non, j'allais dire elle est à plat, mais non, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas assez. Pour faire des cubes. Mais elle est presque à plat parce que les lumières elles sont rouges. Hop 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 hop. Ah là là. C'est beau. C'est beau. On va l'éteindre parce que sinon ça va niquer de la batterie pour rien. Ah, tu veux qu'on atteigne l'île aux ours avant de déco? Ah,
Ça serait bien, mais je sais pas. Vu le temps, ça risquerait d'être short. Ouais, clairement. Clairement, parce qu'il nous reste encore 1000 mètres, 1100 mètres. Vu que là, t'es Combien? en train de ramer. Attends, j'y vais. J'y vais, je te dis ça. Il reste 1210 mètres. Mais on fait 1 mètre par seconde, là, vu que t'es en train de ramer. On est une machine. Et les moteurs. Donc. Ouais, parce que ah oui putain là on ouais, c'est vrai qu'on est bien à contresens là. Ah ouais, c'est full contresens pour y aller sur ce style-là, c'est ça qui est Un truc de pour ça fou. qu'elle est chiante. Ou... 1100 mètres. Non, je voulais aller tout en haut, moi. Faut que je mange aussi. Heureusement que j'ai un poisson-chat. Mille mètres. Ça voudrait dire quoi d'ici même pas 5 minutes, on y serait à cette allure-là. Normalement, ouais. Je fais vite, Thomas. Je rame aussi vite que je suis bête. Bonsoir Titaoué. Putain, elle t'arrive au moment où je vais bientôt couper. Parce que là, on a farmé, ça fait 2 heures qu'on farme en fait. Pour aller sur la putain d'île aux ours. Et là, on est en direction. Huit cent soixante mètres. Et j'espère que tu t'es préparé des pagaies d'avance là. Hein. Ouais, j'ai de quoi en faire. J'ai remis du bouet dans les moteurs. 750. T'as glissé? Elle a l'air hard celle-là. 67 000. Waouh, putain. En fait, j'ai mis. Ami? Ouais. Ouf. Il y a eu un freeze, hein, on est d'accord. Hein. Ah, méga freeze. Méga freeze. Hein. Je l'ai senti aussi, hein, parce que moi je pouvais plus bouger non plus. 670, et j'ai l'impression que ça dévie un peu à gauche. La batterie est déjà à moitié, quoi. C'est quoi cet enfer? Oh putain, tentez. C'est sûr qu'on est à 600 mètres là, j'ai l'impression qu'elle est déjà devant. Je la vois au loin. Ouais, on la voit, on la voit, on la voit. Sinon, ça va, Titaoué? Ouais, on est arrivé là, quasiment. T'es d'accord, tu la vois, pas ton casque. Mets ton casque. Ouais, oui. Oui. Écoute, ça va là. Là, on va s'arrêter à la quand on sera arrivé à l'île aux ours. Et on le refera dans la semaine. 500 mètres. Mais ouais, on va bien. C'est. Ah là là. L'île aux ours, j'aime bien le lore de l'île aux ours. Je le trouve
un peu malsain quand même, mais l'histoire est intéressante. Mais c'est un putain de labyrinthe, cette île. Mais moins que le paquebot. Je préfère l'île aux ours au paquebot, franchement. C'est quand même beaucoup plus sympa. Va voir ta bague de mariage. Quelle bague de mariage? Je suis pas mariée en soi. On n'est pas axé avec mon conjoint, mais. Tu peux tourner le volant, je crois. On fonce droit dans une petite île entre deux. Ou c'est l'île aux ours. Ah non, c'est déjà celle-là. Ok. Non, Ah c'est oui, l'île aux d'accord. ours, elle est immense. Mais si tu veux voir la bague que mon chéri m'a offerte, voilà. Bah allez, voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on la voit très très mal. De mariage. Non, et je lui ai dit que c'était qu'on n'était pas mariés, que c'était. Il pensait que c'était une alliance. Fais Non, pas cette erreur-là, Thomas. Fais pas cette on n'est pas axés. erreur-là. Fuis. Fuis tant qu'il y a encore temps. On n'est pas arrivé du bon côté de l'île. On a les boules ou on a les boules? On s'en fout. Bah, mon chéri, il sait que j'adore en fait le violet, donc il m'a pris, il m'a offert une bague avec des pierres violettes. C'est du toc. Bâtard. Pourquoi t'es rouge? Non, non, c'est parce qu'on se Oh mon fout de ma frère. gueule, tu vois, en vocal et Tom à côté. 5 euros sur Wish. T'es un mytho? T'es un putain de mytho? C'est même pas sur Wish que tu l'as acheté, cette bague. T'es vraiment, hein. T'es vraiment vilain. Franchement. Ou tu veux qu'on aille tout de suite se mettre du bon côté? Non, au pire, on se mettra du bon côté la prochaine fois. Faudrait caler ça avec Jean Oui. dans la semaine. Donc, je propose mardi ou jeudi. Il faudrait voir avec Jean s'il est OP. Parce que demain, je vais être sur Overwatch. Donc, mais ouais, voir ça avec Jean mardi ou jeudi pour une autre petite session draft. Alors, donne-moi 2 secondes que je vide toutes mes ressources. Ok, ça marche. Oh putain, faut que je bouée. Faut que je bouée. À savoir qu'en plus, il me l'a offerte. On vivait pas encore ensemble. J'étais chez lui et elle a été livrée avec un jour de retard la bague. Donc pendant toute la journée où il était censé la recevoir, toutes les 5 minutes c'était là. Putain, enculé de livreur, enculé de livreur. Je sais pas ce qu'il a fait ce jour-là, le livreur, mais il en a pris mais plein la gueule par Thomas. Mais non, ouais, moi c'est pareil, je l'adore ma bague. Parce qu'elle est très simple et tout, c'est pas un gros truc énorme. Et en fait, je l'ai passée à ce dos-là parce que de base, elle était à l'autre. Avec celle-là. Quand on s'est paxé. Voilà, c'est bon, tu peux sauvegarder. Ça marche. Et surtout, pense à sauvegarder. C'est enregistré, je viens de le faire à Sauvegarde! l'instant. Sauvegarde, C'est du coup ami! sur l'autre main, j'ai la bague que ma maman m'a offerte pour mes 15 ans. Donc ça fait 15 ans que je l'ai bientôt. Je suis pas très bague, vraiment. Donc du coup, les deux seules bagues que j'ai, bah, c'est celle que mon chéri m'a offerte, c'est celle que ma maman m'a offerte. C'est deux bagues qui sont très très importantes pour moi, auxquelles je tiens énormément. Mais toi, qu'est-ce que tu pues? Non, toi tu pues. Ah là là. Par contre, à mon avis, il y a peut-être moyen que le compteur de mort se déclenche la prochaine fois. Peut-être. Peut-être. Ça dépend si on se décide à fight la maman ours ou si on l'amadoue avec les baies. On verra ce qu'on fera du coup avec Jean et Pète au casque à ce moment-là. Bah sur ce, je vais couper le live, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Donc demain sera Overwatch avec les potes. Ah mais pourquoi une claque comme ça, Titaoué? C'est pas très gentil, hein, franchement. C'est pas cool. Et regarde Pète au casque, je réenregistre le monde pour être bien sûr, tu Oui, c'est vois. bien. Mais du principal. Ah non, mais je te jure. Voulez-vous sauvegarder avant de quitter? Bah bien sûr. Vous partez quand j'arrive. Mais c'est pas notre faute. Moi, j'ai commencé, il était 21h. Je stream. Chaque fois que je commence un stream, c'est à partir de 21h. Il n'y a que le week-end où je reste très tard. Genre ce week-end avec Petocas, qu'on s'est fait une session de 6h de raft. On a fait 6h
À farmer? Non, enfin, on s'est fait la tour radio et on s'est fait le paquebot, je crois, dans la même soirée. Je crois. Je sais Ouais, plus. Ouais, c'est ouais, ouais. ça. On s'est tout fait dans le même instant. Mais voilà. Donc, bah, écoute, c'est vrai, je te fais des bisous. Puis je te dis bah, à la prochaine. Donc, voilà. Tchuss!